il avait prévu de se raconter à l'écran. Après s'être livré en toute sincérité sur son parcours dans le petit écran et ses batailles contre ses addictions à l'alcool et à la drogue dans son livre autobiographique Friends, Mes amours et cette chose terrible, Matthew Perry avait voulu adapter ses écrits dans un biopic. Un projet avorté par la mort de l'acteur, retrouvé sans vie à son domicile dans la nuit du 28 octobre dernier. Un coup du destin tragique, d'autant plus que les proches de l'interprète de Chandler dans la sitcom Friends avaient fait part des nombreux projets que nourrissait l'acteur lors des mois qui ont précédé sa disparition. Selon des propos tenus par Athena Crosby, une amie proche de Matthew Perry, sur le plateau d'Entertainment Tonight Canada, l'acteur de Friends se serait rapproché de Zac Efron afin que celui-ci interprète son rôle dans un futur biopic. Il m'a dit qu'il voulait faire un film sur sa vie, a expliqué le jeune mannequin. Il avait déjà travaillé avec Zac Efron sur un film. Il a dit qu'il voulait qu'il joue son rôle plus jeune et qu'il allait bientôt lui demander de le faire. Les deux acteurs, déjà réunis dans 17 ans encore après avoir été érigés au rang de célébrité internationale grâce à son rôle de Troy Bolton dans les comédies musicales de Disney Channel High School Musical, Zac Efron a fait son entrée au cinéma en 2009 aux côtés de Matthew Perry dans la comédie 17 ans encore. Le jeune premier y interprétait la version adolescente de l'acteur de Friends, qui, par un sort du destin, était revenu à l'âge au stade de la puberté pour revivre sa gloire d'antan. À ce stade, l'ancienne star de Disney n'a pas commenté les propos tenus par Athena Crosby. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Action Presse. Just need